Salut Sam Gaming, aujourd'hui on se retrouve avec Jordan. Bonjour. Et aujourd'hui on va vous présenter mes figurines pop. Et en même temps ça sera un unboxing parce que je vais vous montrer mes figurines pop que j'ai actuellement. Et demain je vais recevoir une autre figurine pop que je vais vous montrer, unboxing ensemble. Donc Jordan il est là juste pour parler parce qu'il sait que la sœur figurine pop, il en a combien? J'en ai 17. 17, 17, c'est énorme. Donc on va vous montrer les figurines pop que j'ai et c'est parti. Alors on va faire dans l'ordre chronologique comme avec les spinners. Donc la première que j'ai eue à la dernière. Donc alors là on commence très fort avec la première figurine pop qui est immense. Elle est immense. On la sort de la boîte ou pas? Non. Donc pour ceux qui ont reconnu, c'est qui Jordan? C'est Ant-Man. Non, Giant-Man. Ah oui, c'est Ant-Man en... C'est un Ant-Man en géant. Donc, regardez la tête. Elle est assez grande. Par rapport, elle, c'est une quoi? C'est une... En taille. C'est... Je crois que c'est... 16 cm. Ouais, c'est ça. Bah, une figurine pop normale, je crois que c'est 8 cm. Elle, elle fait 16 cm, donc elle est deux fois plus grande. Le prix, normalement, c'est 30 euros, je crois. Oui, mais t'avais eu une réduction. J'avais une réduction à 20 euros à Micromania. Voilà, il n'y a pas de placement de produit. Donc, regardez les côtés... Voilà, l'arrière, donc ça c'est la collection Civil War. Attends, lève un peu. Donc, dans toute la série, on a tout ça, voilà. Bon, ça on s'en fout. Donc, c'est une figurine pop que j'ai acheté à Micromania. Marvel, c'est la série Marvel. Et franchement, elle est bien. La boîte, c'est du quoi déjà? En taille? Non, c'est du carton, tu vois. Ouais, c'est du carton. C'est du carton. S'en fout, là, c'est du carton. C'est du carton, mais je vous dis ça parce que normalement, les figurines pop, c'est pas en carton, c'est du. Non, les autres figurines pop, c'est du quoi? C'est du carton plus fin et moins résistant. Voilà. Donc on est parti pour la deuxième figurine pop. Donc la deuxième figurine pop, c'est Daredevil. C'est Daredevil de la licence Daredevil. Donc, alors j'aime pas trop la série Daredevil. Enfin, je connais même pas, mais je la trouvais assez stylée. Elle est vraiment assez badass. Donc, et c'est une bobblehead. Elle bouge la tête. Alors, elle a une bobblehead. Elle aussi, elle bouge la tête. Donc voilà, c'est Daredevil de la série Daredevil. Derrière, on aurait pu avoir ça. Mais comme je vous disais, j'aime pas trop Daredevil. Il y a juste celle-là que je trouvais stylée. Tu fais une histoire un peu Daredevil, toi? Pas vraiment, non. Pas vraiment. Donc voilà, pop. Acheté à Micromania, combien? 15 euros? Ouais, 15 euros, je l'ai acheté. Non, 13. Non, 10 euros parce qu'on avait une réduction. Et marqué en dessous. Non. Donc 10 euros, on l'avait acheté. Donc je dis Micromania parce que. Pour vous comparer un peu les prix. Et donc voilà, c'est la deuxième que j'ai eue. En fait, elle, la première elle, ça fait longtemps que je l'ai. Et en fait, en un mois, j'ai eu 4 figurines pop d'un coup parce que mon père il s'est ambiancé, voilà, pour moi. Voilà. Et donc on passe à la figurine pop suivante. Tada, c'est Ultron de la série Avengers Age of Ultron. Alors que ça non plus je connais pas, mais je la trouvais grave badass. Ultron c'est qui? C'est le méchant? Ouais, c'est le méchant Ultron. Alors Ultron c'est le méchant, donc je la trouve assez stylée, regardez. Elle est vraiment assez... bien fait, donc elle aussi elle est bobblehead. Donc comme je vous dis c'est Avengers de Age of Ultron. Voilà. Elle est assez stylée. Derrière on aurait pu avoir celle-là, j'aimerais trop avoir elle. Hulk Buster, elle a l'air trop stylée mais on la trouve pas trop dans le commerce. Donc voilà, j'aime bien. Surtout elle coûte 70 euros aussi. Ouais, alors peut-être vous vous dites il a eu Avengers, en fait sur les figurines pop, j'aime pas trop Star Wars, Harry Potter, je kiffe vraiment tout ce qui est Avengers, DC, Marvel et tout, donc voilà, donc vous allez remarquer que j'ai que ça. Donc voilà, un petit Ultron assez sympa aussi, acheté à Micromania à 15 euros. Et donc on passe à la figurine pop suivante. Donc les gars, on a dû passer sur internet parce que la photo n'a plus de batterie, mais bon, ça change rien. Donc la quatrième figurine pop que j'ai, c'est celle-là. C'est Spider-Man que je pense que tout le monde connaît. Donc là, c'est la licence Marvel. Donc regardez là, elle est assez stylée. Voilà, donc c'est une Spider-Man normal qui fait ça. Elle bouge la tête elle aussi. Alors il y a plusieurs Spider-Man, hein. il y en a vraiment 4-5, pas que Marvel. Donc regardez ce qu'on aurait pu avoir derrière. Alors cette série elle est plutôt kawaii, non? Hein? De quoi? Là je trouve qu'elles sont assez kawaii ces figurines là. Regardez Iron Man, il est grave bizarre. Ouais, on dirait surtout celle des BD en fait, genre dessin animé. Ah ouais, regarde, bah voilà, ah ouais. Regarde là. Là, on peut voir, là, il y a la BD là. Donc, elle est assez stylée, 15 euros aussi à Micromania. Et on passe à la dernière figurine. On passe à la dernière figurine que j'ai reçue hier. Aujourd'hui. Non, hier, pardon. Donc, c'est Cyborg
Je sais pas si vous le connaissez, en fait c'est un robot moitié humain. Et lui il joue dans Marvel, je crois. Non, non, DC c'est marqué là. Ah oui, DC. DC super-héros donc. Cyborg. Elle par contre elle bouge pas la tête. C'est la seule que j'ai qui bouge pas la tête. Ouais, bah les DC ça bouge pas la tête normalement. Alors je vais vous dire un truc. Celle qu'on voit de boxing tout à l'heure, elle est dans le paquet. Donc dites dans les commentaires si c'est Firestorm, elle ou elle. Donc je vous dis que c'est une d'eux. Donc voilà, c'est un. Lui il bouge pas la tête, donc comme je vous disais. Après elle est normale, elle a coûté 8 euros, non 9 euros sur Amazon. Et comme je suis un homme très très gentil, j'en ai offert une à Jordan, ouais. La même, parce qu'en fait bah, il me monte à la montagne pour faire des. Ouais, je l'ai invité chez moi. Voilà, donc les gars, on va faire un vlog à la montagne avec Jordan. Donc je remercie, donc pour remercier petite figurine. Merci, super. Donc voilà, je vous ai présenté toutes les figurines que j'ai actuellement et on se retrouve tout de suite pour l'unboxing. Donc c'est bon, je viens de recevoir le colis, mais avant ça, je voulais vous montrer un petit truc que Jordan m'a donné hier. Donc c'est ça. Donc pour ceux qui reconnaissent, c'est Luffy de One Piece. Non, je rigole, je suis pas débile non plus. C'est Sengoku de Dragon Ball Z. Donc je l'aime, en fait je connais pas trop Dragon Ball Z la série, mais je trouve vraiment très très stylé les personnages. Et donc voilà, alors vous dites c'est peut-être une figurine, mais en fait non, je sais pas si vous allez pas voir, je pense. Bref, là il y a marqué Funko, et Funko c'est ceux qui ont créé les figurines pop. Donc voilà, assez stylé, donc c'est Jordan qui me l'a donné, je le remercie, les détails sont très bien faits, les cheveux, voilà. Et le colis Amazon. Oh, un unboxing en direct, attendez. Attention, ça va dans la pique, ça va dans la, hop, ça va aller dans la petite collection, hop, waouh, et voilà, Firestorm, donc, qui est dans la même série que Cyborg, donc c'est super-héros, elle est assez stylée. Alors attendez, on va la sortir de la boîte, on va la sortir. Voilà. Tac. On va essayer de pas se l'abîmer. Wow, elle est stylée. Donc, faut savoir, moi, normalement, je crois que je vous l'avais déjà dit, mais moi, je préfère les bobbleheads, donc celles qui bougent la tête. Et les deux, là, elle est grande, je trouve. Et donc, elle et Cyborg, ben, elles sont pas bobbleheads. Bon, c'est pas grave, ça change rien, mais bon. Donc, voilà, un petit Firestorm. Qui est assez stylé. Alors je sais pas si vous avez remarqué, mais dans ma collection il y a beaucoup, c'est pas beaucoup, il y a que ça, il y a que du gris et du rouge. J'aime bien ces deux couleurs. Donc on va le mettre dans le décor. Donc attendez, je vais vous montrer le petit décor. Et le petit décor, il s'améliore, hein. Attendez, je vais vous montrer. Ça fait une pile. Donc là on a le petit Yoshi, là on a un souvenir du Vésuve, là on a une petite Game Boy, donc là on a Firestorm, Giant Man, Spider-Man, Cyborg, Daredevil et Ultron. Donc voilà, c'est assez stylé. Donc voilà, vous venez de voir tout ce truc. Bien sûr, il y a ça aussi, mais ça je la pose sur Firestorm. Bon ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez bien les présentations comme ça, de un peu de mon décor. Bon ben, comme d'hab, lâche un like, lâche un com, partage, mais surtout... Abonne-toi. Allez, ciao tout le monde. Et bye!